Si tu as envie d'avoir une historique des paris comme celui-ci, voilà, c'est carrément une dinguerie, ou bien valider des coupons comme celui-ci, simplement, voilà, sur Telegram. Là, je te présente le bilan de la journée d'hier. Voilà, une dinguerie grâce au jeu FIFA notamment. Prends donc la peine de regarder cette vidéo jusqu'à la fin et tu vas me dire merci. Je vais commencer rapidement en partageant avec toi l'astuce et la faille du jour. D'accord? Parce que je n'ai pas envie d'être très long. Donc là, je vais mettre FIFA. Donc le jeu va concerner le jeu FIFA 24, 4x4 championnat d'Angleterre. La première des choses à faire, c'est d'aller, par exemple, tu cliques là, tu vas dans paramètres, et puis tu vas mettre accepter tout changement des codes. Voilà, de base c'est comme ça, mais demandé. Mais toi tu vas mettre deuxième. La deuxième des choses que tu vas faire, si tu remarques bien, j'ai déjà défini mes sommes d'argent amusées. Voilà, 20 000, j'ai mis 20, 5 000, j'ai mis 50 000 et tout. Donc l'astuce va consister à quoi les gars? C'est vraiment une dinguerie et c'est d'une simplicité à nulle autre pareil. L'astuce va consister autant que moi à regarder le match, commencer le match comme là. Si dans la première minute, tu dis bien si dans la première minute, tu as plus de 3 buts qui est marqué. Donc supposons que la première minute va se terminer, là on est à la 33e minute, 34e minute, tu as plus de 3 buts, c'est-à-dire que 4 buts, hein, 5 buts ou 6 buts. Tu vas exactement prendre l'initiative de jouer. Chaque équipe va marquer 2, 8 buts, plus ou plus. Tu vas prendre non, d'accord? Tu vas prendre non simplement là, d'accord, pour ne pas perdre le temps. Je t'ai dit, tu vas configurer tes mises comme ça. Donc là on est là encore la première minute, tu vois qu'ils ont déjà 3 buts marqués et là je pense qu'ils sont au 4e but marqué. Ça veut dire que lorsqu'ils ont marqué mon 4e but, je suis dans ce que j'ai prévu tout à l'heure. Là tu fais ton pari rapidement, tu peux même faire un pari plus élevé, d'accord. Par exemple, si tu avais défini ton pari en un clic, là tu peux mettre une somme d'argent plus élevée parce que ça va marcher à coup sûr. Voilà, si jamais il y a chaque équipe va marquer 9 buts ou plus, non, tu prends, ça va marcher encore. Donc c'est la première astuce que je partage avec toi concernant ce jeu. La deuxième astuce va consister à observer les matchs encore une fois de plus. Si tu as eu à regarder mes vidéos, ça doit faire un 3 mois ou un 4 mois. J'avais posté une vidéo où je parlais notamment de ce jeu. À l'époque, c'était pas encore championnat, 4x4 championnat anglais, c'était plutôt 4x4 championnat Coupa Libertadores ou autre, je ne me rappelle plus. Donc, si jamais, à la première mi-temps, par exemple, tu avais le total 5,5 buts qui n'est pas atteint, c'est-à-dire que le match se termine, première mi-temps, les gars, tu marques 4 buts quand c'est le cas là, par exemple. C'est que tu vas faire, c'est que tu attends le prochain match. Tu vas venir simplement jouer ce total-là à la première mi-temps qui va marcher à plus de 85-90% du temps. C'est vraiment une dinguerie. Voilà, on aura l'occasion d'expérimenter cela. Pour le moment, on va observer notre première option si il va être validé. Déjà, vous pouvez voir là que chaque équipe va marquer 8 buts ou plus. Hein, non, n'existe plus. On a plutôt chaque équipe va marquer 7 buts ou plus qui n'existe. Non, là, je ne voulais pas parier. C'est une erreur. Là, je ne voulais pas parier, mais bon, c'est parti. Parce que j'ai mis le pari en un clic, j'ai oublié. Donc, je vais le désactiver. Donc, là, tu vois que chaque équipe marque 8 buts ou plus n'existait même plus. Il a déjà disparu. Donc, je me résume. Première minute. C'est la première minute du match. Les gars t'ont marqué plus de 3 buts à la première minute. Tu joues rapidement. Chaque équipe va marquer 9 buts ou plus. Moins. Voilà. Non, tu joues. S'il y a également le total, chaque équipe va marquer 8 buts ou plus. Non, tu joues. Là aussi, ça va marcher d'une manière ou d'une autre. Voilà. On va juste attendre que la vidéo, que le match est terminé. On va observer si notre pronostic a notamment validé. Entre temps, je voudrais t'inviter à m'encourager, à faire en sorte que la vidéo puisse être vue par le maximum de personnes. Quand tu arrives sur la vidéo, première des choses, prends le temps de liker la vidéo comme ça. Quand tu me laisses un like juste là. Et puis tu me laisses un commentaire. Laisse-moi par exemple ton pays si tu aimes le travail que je fais. Et ensuite, prends l'initiative de nous retrouver sur Telegram. Tu vas en description comme ça. Voilà le lien vers le canal Telegram. Tu retrouves notre communauté. Vous voyez que nous sommes déjà à plus de 9000 personnes. Merci à ceux qui parlent de nous autour d'eux parce qu'on fait également un travail plus ou moins extraordinaire. Le projet FIFA, je t'ai entendu tout à l'heure, existe depuis plusieurs mois. Et derrière le projet FIFA, il y a toute une approche qu'il va falloir que vous puissiez comprendre. Lorsque vous nous retrouvez de ce côté-là, vous aurez des pronostics gratuits pour ceux maintenant qui ont envie d'aller plus loin. Vous aurez carrément plus d'une quarantaine de pronostics par jour. C'est pour ça que j'appelle projet parce que chaque jour que je fais, nous avons minimum plus de 85% de taux de réussite. Là, par exemple, tu vois, c'était le 20 mai, c'était hier, on a énormément joué, énormément validé également. Donc, ce n'est pas juste des paroles à l'aise, c'est vraiment une dinguerie. Et je dis, comme je dis souvent, il faut le vivre pour le croire. Donc, ça, c'est une parenthèse. Et on va simplement patienter un tout petit peu. Voilà, voici notre pronostic validé parce que là, vous voyez que nous, on est déjà à la 4e minute parce que chaque match de ce jeu va durer en l'occurrence environ 6 minutes. Tu auras le temps de voir, de valider un coupon.
fois. Et chaque fois, tu peux faire la même chose plus de 10 fois par jour. C'est vraiment une dinguerie, les gars. Donc, je t'ai dit, si je me résume, quand tu arrives dans le jeu, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas d'abord aller dans paramètres, tu vas affecter tout changement de compte. Après, tu peux, dans le même paramètre, tu peux définir des sommes d'argent, des mises, mise 1, mise 2, mise 3, d'accord? Ou bien, si tu veux, tu peux, celui qui veut, il peut aller carrément activer l'option parier en un clic, juste ici en haut. Tu mets la somme d'argent qui peut, tu veux parier, et puis lorsque tu vas cliquer sur l'événement, une fois, ça va parier. Mais généralement, j'aime pas le parier en un clic parce que si tu es en train de défiler, tu peux, ça peut t'arriver que ton doigt touche un élément et ton pari soit effectué sans que tu ne t'attendes. Donc, c'est préférable d'aller définir tes sommes comme ça. Là, tu vas cliquer juste sur l'élément que tu veux parier, tu appuies une fois dessus, ton pari sera effectué. Là au moins, tu as plus de sécurité. Donc, une fois c'est fait, tu vas attendre la première minute du match. Du match c'est joué. Première minute, c'est dans la première minute, tu as plus de 3 buts. C'est-à-dire que la première minute, tu as 4 buts, tu as 5 buts, tu as 6 buts. Tu prends l'initiative des jeux, chaque équipe va marquer 9 buts ou plus. Non. Cette fois-là, où chaque équipe va marquer 8 buts ou plus, non. Généralement, la cote, elle peut être de 1,32, 1,32, 1,33, 1,32, 1,42. Ça dépend des matchs et tout. Tu l'appliques. Forcément, ça va marcher à plus de 95% du temps. Donc, il n'y aura pas de 100%. Voilà. Donc, c'est un peu ça, les gars. Comme vous pouvez le voir, le groupe, il est pratiquement validé parce qu'on est à la 6ème minute. On est à la 6ème minute et vous voyez que une équipe qui est Newcastle a marqué 9 buts, l'autre équipe qui est Bournemouth a marqué juste 3 buts. Donc chaque équipe ne marquera sûrement pas 8 buts ou plus. L'option est plutôt sécurisée. Donc on va juste passer avec quelques secondes. Même je vais dire l'option que j'ai jouée, par le plus grand des hasards, chaque équipe va marquer 7 buts ou plus. Même là, je pense que c'est validé aussi parce que je ne vois pas Bournemouth marquer plus de 7 buts. Voilà. Newcastle pourra encore marquer 1 ou 2 buts, mais Bournemouth ne marquera pas plus de buts. Donc sur ce match, je vais valider comme ça un coupon, deux coupons. Voilà. Donc, vous allez peut-être me dire les cotes sont de 1,25, 1,22, mais c'est une dinguerie. Il suffit d'avoir une bonne somme d'argent et vous pouvez faire une sorte de montant, peut-être à 4-5 paliers et vous allez gagner des sous. C'était Skybet. On va se retrouver sûrement demain après demain pour une autre petite vidéo parce qu'on a fait un mois, plus de mois. On était un peu en pause, on était en train d'observer, de mettre un certain nombre de choses sur pied également parce que depuis un mois, on était vraiment focalisé sur les projets FIFA. Donc, ça marche plutôt bien. Vraiment, c'est une dinguerie. Je t'invite vraiment, vraiment, vraiment à venir te faire de l'argent grâce à tout ce qu'on essaye de faire du côté du groupe Telegram. Le lien vers le canal Telegram, il se trouve en description sous la vidéo.